Et yo les gars, yo tout le monde, c'est Maxou. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Fall Guys. Et oui, vous le voyez à l'écran, la nouvelle saison de Fall Guys pour le mois d'octobre en tout cas est arrivée. C'est bon, ça y est, c'est enfin là, la nouvelle saison de Fall Guys. Alors oui, j'avoue, j'ai fait comme vous voyez en bas à gauche, j'ai avancé dans le pass, j'ai fait une petite game avec Goose tout à l'heure pour voir un peu ce que ça donnait et toutes les nouveautés, tout ça, voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les nouveautés qu'il y a. Du coup, c'est parti. Commencer avec l'arrière-plan qui a changé, comme vous voyez, on est plus sur des montagnes un peu sombres et tout. Moi, je pense ça sans doute, vous l'avez remarqué dans le lobby tout à l'heure quand j'ai fait l'intro. Mais du coup, voilà. On est parti du coup directement avec la deuxième nouveauté. Deuxième nouveauté, célébration des Kudos qui fait son retour pendant une semaine. Donc on a tout simplement des Kudos à gogo, faut jouer n'importe quel manche. Je fais 400 Kudos pour 10, 450 pour 20, 400, 600 pour 40, 850 pour 70 et 1200 pour 100. Voilà, donc juste vous jouez au jeu, vous gagnez des petits Kudos, c'est tout. C'est parfait. Au total, ça vous fait 3500 kudos à gagner. C'est vraiment pas mal. On passe à une autre nouveauté, le mode découverte. Voilà, déjà qui fait son grand retour en promettant. Vous avez eu des petites maps que vous pouvez tester en solo, groupe. Voilà, c'est tendance hebdomadaire. Donc, c'est des maps créatives que vous pouvez tester, que vous pouvez kiffer. Et ce que je voulais vous dire surtout, c'est que déjà, le mode voleur de Bonbon fait son grand retour sur Fall Guys. 5 fragments pour la win. Vous avez des défis avec voleur de bonbons. Là, pas des vidéos. Participe à dimanche de voleur de bonbons et gagne voleur de bonbons pour 2 d'XP. Le mode va rester pendant toute la saison. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez profiter de ce mode. C'est 5 fragments par victoire, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, par rapport au mode, il y a aussi ça. Maintenant, quand vous voulez jouer à des modes solo Joe Squad, vous avez partie classique. Partie classique qui regroupe la solo, la Joe et les groupes. Voilà, c'est une petite nouveauté dans les modes pour ceux qui ont envie de savoir. Voilà, maintenant les trois modes sont regroupés. Et du coup, on a le retour du mode découverte et voleur de bonbons qui reviennent pour un mois. Ce qui est vraiment pas mal. Maintenant, les amis, je pense que tout le monde attendait. On va se regarder le petit pass ensemble. Du coup, c'est parti tout de suite, hein. Du coup, pour commencer, on a un petit skin fantôme. Voilà, très stylé. Je trouve pas mal, moi perso. C'est pas mal. Ensuite, on a un petit motif, sourire de citrouille, des kudos, des gants, une couleur, une émote, des kudos. Un bas de skin doudoune délirante avec le visage et le petit skin citrouille, donc un nouveau skin dans le pass de combat. De toute façon, à gauche, vous avez le pass, hein. Littéralement, il est à gauche, vous avez tous les skins et tout. Et du coup, bon, voilà, on le sait un peu à l'avance. Après, je pense pas qu'il y a tous les skins non plus. On se met un petit pseudo, encore un motif, des kudos, un petit bonnet de chauve-souris. Okay. On a ensuite des fragments de couronne, des zimisu. Encore des kudos. Le bas du skin épouvantail. Avec encore des fragments de couronne en plus. Des kudos, toujours. Un bagnet de poisson en bas. Enfin, c'est juste. Ah non, c'est un costume. Genre, c'est pas, y a pas de avec qui accompagne. C'est un bocal, ok. Des kudos, encore un motif. Ah, je trouve stylé celui-là. Baguette magique. Il est pas mal. J'ai des kudos, merde. Des fragments de couronne. Encore des fragments de couronne. Des imisu. Une couleur. Un bas de skin, guimauve gluante, et c'est le skin qu'on voit à gauche. Vous avez après ça des fragments de couronne et le petit skin guimauve gluante. Pardon si je bégaye, hein, excusez-moi. Du coup, c'est pas mal. Bon, le skin, je l'aime pas trop personnellement, c'est pas mon skin préféré. Enfin, c'est le skin que le moins bon pour l'instant que j'ai vu dans le pass. Mais je l'aime pas trop, je cache pas. On a un petit pseudo bout, des kudos, une plaque nominale avec un petit loup. Ah, oh, le loup du coup. C'est vrai, et là à gauche il y a un loup zombie, mais sur la plaque nominale c'est pas le même. Bizarre. Un visage, des fragments de couronne, des émissos, des kudos. Loup bûcheron, ah ok! Et du coup là on a un petit skin loup bûcheron, ok c'est un loup avec un. Ok. Ah pas mal. Pas mal, pas mal. Des fragments de couronne toujours, encore des fragments de couronne. Ah et là on passe au skin spécial. Du coup le loup est le dernier skin du pass.
enfin du pass normal. Et puis là, on enchaîne avec les petits skins du pass, mais remodés, refaits. On commence avec le petit spectre hein, du coup, qui est dans le pass, le premier skin du palier. Des kudos encore entre les deux. Un petit motif. Et on a une célébration de victoire. Ok, petite célébration de victoire, pas mal. Petite célébration, bah, justement après. Encore des kudos. Et là, le petit skin de vampire Dracula, il est là qui va avec la célébration. Ok, pas mal. Ensuite, on continue avec des fragments de couronne. On a un petit skin épouvantail. Épouvantail en mode feu. Ok, je le trouve très stylé. Petite couronne. Petite couleur, pardon. Ensuite, on a encore des fragments. On a des Zimisu. Encore des fragments. Là, on a le petit skin boum brûlante. Je trouve c'est le skin guimauve de tout à l'heure, mais en feu. Ok, pas mal. Ah là, on s'approche de la fin. Palier 61. 60 fragments. On a le petit loup zombie. Ah, c'est le skin que j'avais vu quand j'ai vu la photo du pass qui avait leak. Genre la photo à gauche qui avait leak sur Twitter. J'ai vu ce petit skin, je le trouvais très stylé. Du coup, je l'aime bien. On a des fragments de couronne, des Zimisu, des fragments de couronne, et on a encore des Zimisu pour la fin. Et le skin contre Carmine, pardon, c'est le Dracula en rouge. Honnêtement, moi, mon skin préféré, c'est vraiment le loup zombie et le loup normal. Voilà. Moi, je vous ai dit mon petit skin préféré. Maintenant, je pense qu'on va tout de suite s'acheter le pass en vidéo. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go! Go, attention, oui, passe VIP déverrouillé. Let's go. Du coup, je récupère mes récompenses. Continue. Par contre, alors, moi, je pense que je vais hop, hop, je vais m'équiper ce petit skin. Voilà, je pense qu'on va s'équiper le petit skin. Oh, regardez, quand je tourne mon perso dans le lobby, ça fait comme une sorte de décalage. Genre, on voit l'aura de notre perso. Ok, ça, je viens de le découvrir en même temps. C'est très stylé. Bon, en tout cas, les amis, je vais faire une petite game en solo avec ce petit skin. Voilà que j'ai mis tout de suite à l'écran. C'est parti! Ok, les amis, on est parti dans la toundra. C'est parti pour la petite game. Avec le nouveau skin du pass. Ah, on voit qu'il y a deux personnes qui ont aussi acheté le pass, comme moi. Ah oui, les emotes qu'on voit ont été modifiées. Maintenant, quand je dis bonjour. C'est plus comme avant, c'est plus un texte, c'est avec y a une petite main et tout. Et vous ne pouvez plus spam les emotes bannières comme ça. Maintenant, faut d'abord sélectionner et après vous pourrez spam. Mais sinon, pas de problème, on peut toujours spam les emotes comme ça si on le veut. Par contre, le chat, lui, a toujours une limite. Mais les emotes, je crois qu'on peut toujours les spam. Ouais. Vous pouvez les spam sans problème. Peut-être une première place. Ce serait magnifique. Attention, vite! Que le Bouddha il revient, non! Non, le Bouddha il a le temps de revenir! Oh non, trop le seum! Non, par contre, pas deux fois. Allez, s'il vous plaît. Ok, let's go, la qualification. Ok, les amis, on est reparti. Du coup, en game, on est sur. Oh bah, d'accord, je me fais bolos, j'ai à peine spawn. Du coup, on est reparti sur le petit mode avec les fruits. Donc, faut compter, il y a combien de fruits. Donc, là, lumière, une poire. Mais je pense que je vais lancer une nouvelle série sur la chaîne maintenant. Enfin, surtout sur ce pass, je vais tenir le rythme, je pense, pour les prochains pass à voir. Maintenant, dès que je débloquerai un skin du pass, je vous ferai une petite vidéo avec. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai débloqué le petit skin fantôme. Bah, là, je vous fais une vidéo avec le skin fantôme. Je partirai, je sais pas, peut-être une ou deux games. Je ferai, ça dépend. Je pense deux games, je ferai en général. Et on sera parti tout simplement dans le mode. Allez, divertis un coco, ça on a retenu. Mais après, je parle de skins ensemble. Hein. Donc, par exemple, le loup, le Dracula, tout ça. Les skins où il y a des juste une ceinture ou un truc comme ça. Je vais pas faire quoi. Allez. Maintenant, deux myrtilles, je crois. Et le truc, je me souviens plus. Et un coco, ouais. Attends. Je me souvenais plus à un moment, j'étais en mode. Excusez-moi. Un peu malade. Ok, 3 myrtilles. Ok, attends quoi, il manque un truc là. Il y a 3 myrtilles.
Ah non, deux verres, ok, il était planqué. Trois myrtilles, deux verres, une banane. Mais du coup, voilà. Déjà hier, si j'ai pas publié des vidéos, j'avais beaucoup de devoirs. J'avais beaucoup de devoirs et du coup, j'ai pas pu publier de vidéos malheureusement hier. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer. Mon objectif, c'est surtout de publier tous les jours. Et j'espère y arriver en tout cas. Parce que pour l'instant, c'est pas trop le cas. Ok, on est reparti sur pointe des pieds. Allez, let's go. On va plonger dans le vide. Oh! Eh, on l'avait, hein! On l'avait quand même. Ça devrait être sur le côté gauche, c'est ça, comme toujours. Ça fait déjà un truc qu'on trouve sur le côté gauche. Et faut avancer, hein. Si vous avez peur, on va pas aller très loin, quoi. Est-ce qu'ici. Est... Ah, ici, ça marche, non? Ouais, ok. Ok, j'ai trouvé un peu du chemin. Maintenant, on va laisser les autres travailler pour nous, hein, parce que voilà. Moi, je me sacrifie au début, hein, mais pas après. Hein. Qui c'est pas tout droit, j'ai vu que ça a bouché. Bah, c'est encore là. Réfléchissez. Attends. Vas-y, c'est tout droit. Allez, let's go! Oui! Oui, la qualification pour Maxou. Allez, on est parti sur balle rebondissante. Je déteste cette finale. Pour moi, c'est la pire finale du jeu, totalement, parce qu'il y a zéro skill et que c'est que de la chance. Bon, mais quand même, on est obligé de la jouer. Voilà, on va tenter le petit top 1. Hein, ce serait beau pour la deuxième game, pour ma deuxième game de la saison. Mais je déteste cette finale, je trouve. C'est la finale, il n'y a aucun skill à avoir. Allez, le petit poulet doré! Ouah, il s'est pas envolé, hein. Allez. Attention. Okay. On va essayer de pas trop se mêler des affaires. J'aurais sûrement à côté d'une cible à abattre. Hein. Est-ce que c'est le meilleur plan? Est-ce que c'est le meilleur plan? Non. Clairement pas. Oh, oh mon dieu. Oh la chatte. What the fuck? Lâchez ma veste. Après peut-être je vais partout aussi, peut-être c'est pour ça. Tue-le, tue-le, tue-le. Moi je reste dans mon coin. Non. Non, je reste dans mon coin. Lâchez ma veste. Toi là-bas. Ouais, il est pas mort. Mais quel monde. On est trois au même endroit, c'est pas bon. Va passer une bombe là-bas. Ils sont deux. Oh, le double kill! Ah, oh, j'ai tué qu'un gars. J'avoue que là, mon lancer de bombe n'était pas très bon. Attention, non, non! Non, vraiment, comment je marche? Je l'ai pas vu, il m'a lancé une bombe! Oh, et c'est lui qui a gagné en plus! GG, GG, what play, hein, on peut que dire ça! Hein. GG à lui! Bon, bah voilà, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo! Bon, on n'a pas réussi malheureusement à faire de top avec le nouveau skin, mais je vous assure que dans les prochaines vidéos, il y aura plus de top 1. Hein. Là, je trouve que c'est une petite vidéo découverte, vite fait et tout. Du coup, je vous ai fait la petite vidéo de découverte, voilà, du pass, des modes, de tout ce qui a changé. Peut-être qu'il y a encore des nouveautés que je n'ai pas découvert parce que j'ai pas trop traîné dans les lobbies non plus. J'ai essayé 5 minutes, non, j'ai 5 minutes dans le lobby, mais c'est tout quoi, pas plus. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications. C'était Maxou. Et sur ce, ciao!